Bonjour, je suis Valérian Giez, CEO cofondateur de la startup Candela et aussi coprésident de la French Tech Paris-Saclay. Aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut s'aider pour ne pas céder. Alors, à la French Tech Paris-Saclay, dès le premier confinement, on a organisé des webinars qui nous a permis de nous retrouver entre start-upers, entrepreneurs, discuter de nos difficultés et ça fait énormément de bien. En plus, on peut s'entraider pour monter les projets et demander des aides dans le cadre du PGE, par exemple. Et plus récemment, avec l'écosystème du Quantique et les autres startups du Quantique, on a créé des discussions de groupe, puisqu'on ne peut plus se rencontrer. On discute via les discussions de groupe, via les applications, pour échanger sur les projets, sur l'écosystème, sur ce qu'il se passe dans la communauté. Et c'est très important d'avoir ça, notamment avec le Lab Quantique et les fonds d'investissement comme Quantum Nation. Et en plus, encore plus récemment, depuis cet été, on a rejoint un super lieu d'innovation qui s'appelle Campus, QAMPUS, qui est un lieu d'innovation pour les startups du Quantique, qui nous permettent de travailler, de nous développer ici. Et donc, on partage ce lieu avec la startup Pascal, qui développe un ordinateur quantique comme nous. Et dans ce lieu, en fait, on peut largement aborder une nouvelle croissance tout en minimisant les risques et en partageant les investissements.